Zanmitay Haïti Media on yo après des journal dans pays Colombie fin indexé premier ministre Claude Joseph comme quoi li ta impliqué dans zak horrible ça qui t'est fait sous président Jovenel Moïse nan 6/7/2021 et selon même média ça même journal ça t'est fait comprendre que planification pour touyer président li t'est fait depuis nan fin année 2020 DGPNH li même après information ça li parler sous ça qui ça tombé est-ce que premier ministre Claude Joseph li même gain pour avec assassinat ça ou bien c'est une parole dans l'air fidèle Haïti Media on pas déplacer rester là pendant m'a demandé nous en signe d'encouragement pour nous abonner avec gros bouton ton channel Haïti Media on là pendant on fait ça pas oublier l'offin faire petite cloche notification retirer sous personnalisé mettez sous tout depuis lagué l'apparaît dans écran appareil ou fidèle moi yo zami moi yo on est respect pour nous tout bonjour bonsoir dépendamment de l'heure ou fait clic ça avant de démarrer avant de commencer lagué li important intéressant pour m'apprendre nous que jodi a c'est fait un gros bout de tonton qui t'est passé dans tête pays d'Haïti en tant que président m'a parlé de Jean-Bertrand Aristide qui a fêté un nouveau printemps moi souhaiter tout ça bon yo un bon record café que mon Dieu lui-même fait le rétablir rapide pour yon nèg yo mettre tête ensemble pour yo voir comment yo capable retirer pays d'Haïti dans malabou ça parce que il n'est jamais trop tard pour mieux faire fidèle Haïti Media on nous dit alors c'est meilleur pas quoi pour retirer pays d'Haïti côté le trouver là côté connait depuis après Claude Joseph lui-même t'ai fin tande message ça que journal colombien ça yo t'ai metté dehors et ben forme zou mouché ça lui-même li pas senti le trop bien l'effet qui était indexé dans l'ambo dans assassinat président Jovenel Moïse depuis là ça mouché lui-même li tout menté si tout son nèg glol prêt li remé crier pour n'importe petit crack et ben fidèle Haïti Media on pas besoin dire plus après information ça que des médias dans ville Bogota sous compte Twitter yo t'ai fait comprendre que premier ministre Claude Joseph monsieur Claude li ta impliqué dans assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse et mes fidèles Haïti Media on yo tout de suite après DGPNH lui-même li parler qui ça qu'elle dit est-ce qu'elle justifie sa journal ça dit ya m'pa kwè mes fidèles Haïti Media on yo DGPNH là li sorti yon note pour le faire comprendre li démenti formellement information si là dans même note ça DGPNH là li fait connait dans cadre enquête qui déjà tamé yo jeune accompagnement FBI avec plusieurs autres techniciens étrangers indice avec l'autre information yo joine dans cadre enquête qui déjà tant mais qui déjà Louis et gien pinègue commencé mari là yo pas révélé aucun signe comme quoi que premier ministre lui-même l'état impliqué dans zak rabinay ça dans zak maspinay que yo fait sous président république là zami Haïti Media on yo ça important intéressant dans cadre information ça zak horrible ça qui passé sous président Jovenel Moïse là li concerné pays Colombie nous comme ça me dit ça parce que son paquet mercenaire de nationalité colombienne qui entre là vin fait yon zak odie comme ça. Fidèle Haïti Media on yo m'ap din a clair que fon capable éviter tout mensonge, tout diversion k'ap fait nan en cadre enquête ça parce que m'din ça déjà, m'de rappeler nou ça m'ap redil encore toute l'autre nation 106% yo pour frère yo de se fait fidèle Haïti Media on yo m'ap fait nou comprendre à n'importe quel moment qu'attendé yo colombien parler là ou bien yon presse colombienne li parler pour faire comprendre que mercenaire ça pa gen rien pour avec zak qui passe sous président. Il a fait parole pour capable montrer que mercenaire yo même yo just victime c'est une accusation yo mette sous deux qui pa gen rien pour avec réalité tout ça c'est parole qui yo capable dit même j'en connais pays d'Haïti chargé média bolo a bolotio comme ça tout dans l'autre pays yo gen tout parce que moi là depuis blanc parler le plus souvent nous prend comme l'évangile moi même dans cadre information qui m'a ba nous dans enquête qui déjà tant mais dans zak horrible ça qui fait sous président m'a ba nous tout détail gen le devoir n'importe ça tomber moi partager avec nous pendant m'a fait analyse bien structuré m'a fait ti logique avec nous côté m'a posé des questions ou même pour aller réfléchir pour connaître de quoi il en est de quoi il s'agit amis Haïti Media on yo moi dit à clair ouais dossier ça assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là moi m'a dit me prend engagement pour me dire ça depuis ces monde qui était dans complot taille tout doué marine m'a pas menti à toi monde qui était responsable pour mettre de l'eau pour mercenaire ou bien pour aller acheter de l'eau pour mercenaire ou bien tout monde ça aussi osé joindre code pour capable répondre quelques questions devant la justice et fidèle Haïti Media on yo pour me capable approuver samedi a n'a gardé que gouvernement colombien lui-même li mandé avec gouvernement haïtien moun qui était tombé parlant des mercenaires qui était tombé dans échange de tirs avec la police dans moment yo t'a mené yon opération cadavre ça yo pour t'a fait yo aller dans pays Colombie bagaille en pile bagaille vraiment doit fidèle Haïti Media on yo c'est pas seulement DGPNH lui-même qui parlait gain tout directeur général police
colombienne nan li même qui pote non Jorges Luis Vargas monsieur tout li parle li fait connait li pa gen aucun élément d'information nan sa gen pour que Claude Joseph li même en tant que premier ministre pays d'Haïti ta va a impliqué nan assassinat ça est-ce que nous comprendre li pa gen aucun élément d'information pour ta fait quoi que Claude li même ta impliqué nan quatre assassinat ça et en même temps li continue parler pour le faire comprendre nan quatre enquête capteur mais sous dossier ça c'est Haïti qui joigne si pour tout pays Colombie via avec Interpol qui a mené bon gens enquête yo et même chef police là li fait connait li partager 628 messages by 5 pays dans quatre enquête qui déjà ouvri pour connait qui ça gagne dans loge comment action ça lui même li fait river sous président et en même temps li fait connait gagne un caille qui suspecte dans dossier comme quoi caille ça c'est là toute planification t'est faite dans dossier assassinat et c'est dans même caille ça tout qui mercenaire t'est descend yo t'a bolosé et caille ça c'est l'on DG ou bien chef police colombienne nan li fait connait caille ça lui même li trouver dans voisinage yon ambassade en Haïti qui ambassade de lui là en tout cas c'est gros question qu'a posé mais fidèle Haïti Media Union moins din déjà ve en ou ve en bas parce que me dit nous déjà capable capable font tout bouillon là yo lagué dans dedans comprendre dans dedans va cap vente ya et puis sortant de là nous tout nous nan niage nous pas rien et moi même en tant que voix information m'a gagne l'autre rôle m'a dissiper pour nous quelques niage m'a fait nous à clair dossier ça me dou ça pour moun qui prend pour un petit bagaille moi j'aime pas bon mentir li pour un petit bagaille qui juillit son bagaille qui vraiment immense et ou mettre quoi avec support FBI avec l'autre support que technicien étranger là moi j'aime pas bon mentir pas gagne tout dans manche tout moun net qui complice dans quatre assassinat ça yo tout supposé joindre code là amis Haïti Media on yo continue abonner continue commenter et tout ça déjà m'pa ka la gon vidéo gen 100,000 moun k'ap gade pour m'ap joindre 3,000 likes ça pa fait bien sou même ou remè ça k'ap di a puisque information c'est manou k'fè yo information ka formal certes mais faut capable encourager tout lò kite yon like pa jamb liye tout avec Mwenga Haïti gen deux produits là pour nous gen zouti gen ban gen zouti a son pour mat 100% organique kote capable allonger tol pin nan détirer le bali bon jan forme et sortant di a jwenn résultat nan moins que 2 mois sou passe régulièrement ou passe deux fois par jour pendant 2 minutes et gen ban nan son comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles ou prend 3 chaque matin dans 7 premiers jours yo problème côté gain nan endurance en li résoudre et quant à pour augmentation ou a joni nan libido fidèle Haïti Media Union écrit nan numéro ou cap passé nan icon là ou a joine plus détails plus éléments de formation placé commandou et mdou sou ta gen yon lot bagay ki m'anvi di ou lò consommer produit Mwenga Haïti yo pa gen aucun lot effet secondaire li provoquer sous état santé zanmi yo m'di ça déjà nan lot détail ki m'bral banou là puisque nous connaît pays d'Haïti li gon paquet crise là dans le cap manger nan et bien nous connaît tout gen zafè coronavirus li même qui bel et bien présent pa gen propagande k'ap fèt la dan malgré mwen en pile nan nou vle bliye si maladie ça si existence maladie ça li même nou bliye si là puisque nous connaît problème yo en pile bagay yo dwol nou pa ka gérer tout on seul coup mais li important intéressant moi même nan quatre information qui m'a partagé avec nous pour me toujours rappeler nous qui maladie ça li même là puisque président Jovenel Moïse te gen temps annoncer nous gon paquet dose vaccin k'ap rive sou pays d'Haïti et bien faut me faire comprendre pays d'Haïti hier mercredi 14 juillet a li recevoir yon premier lot 500 000 doses vaccin qui pote nou Moderna qui c'est yon don gouvernement américain nan quatre initiative Covax est-ce que nous comprendre premier lot vaccin ça selon MSPP k'ap parler li fait comprendre qui rive nan pays a c'est yon étape important nan lit gouvernement haïtien a mené ak sipo zanmi nan communauté internationale là pour rive faire vaccin contre COVID-19 rive joindre population pour capable freiner propagation nouveau coronavirus là 500 000 doses vaccin ça yo pral permettre MSPP lancer campagne vaccination contre COVID-19 là dans pays a pendant la garantie gain l'autre vaccin cap continuer entrer dans pays a pour rive vacciner population haïtien fidèle Haïti Media on c'est comme ça ministère et santé publique même li parler dans quatre vaccins qui déjà entré dans pays a en tout cas arrangez nous pour capable à le vacciner contre maladie ou bien contre virus corona. Zami Haïti Media on yo pas oublier avec application qui pote nous zap di la qui fait spécialement pour n'importe so gen la kayou ou ta aimé passer avec yon lot moun ta aimé vann ni faire photo a poster sou go bouton ton application et m'dou ça déjà n'importe business ou rêver faire ou beaucoup gen clientèle download application ça c'est première formule pour capable faire profit dans business côté souhaité et ou bam nouvelle ou ta aimé faire promotion pour ou ta aimé bat bouche pour là
pas de problème, écrit sur haitimediaone@commercial.gmail.com et puis sortant de ya ou ap jwenn bon jan réponse pendant n'ap négocier puis on ti grab daimonet et puis ou ap content parce que produit ya l'a volé piro ki on ex ou comme menti mande monga Haiti mande Zabdil parce que il y a trop nèg Jamel qui impliqué ou bien qui t'a impliqué dans dossier ça. Parce que remarquez sous table ça là Flessor là c'est magistrat marqué ça. Monsieur Chita exactement à gauche docteur Emmanuel Christian Sanon. Attendez. Et dans coin ça là à bon côté monsieur l'état semblé ancien sénateur John Joel Joseph que vous mettez mandat derrière lui. Et c'est une grosse rencontre. Et t'assemblée rencontre, ça c'est une rencontre qui était faite. Et pas Haïti, non, t'assemblée c'est Miami. Parce que Bishop là, monsieur son nek cap, l'on paraît que monsieur ouais son nek cap vive. Et gardez pour elle là, gagnons l'autre nek qui n'a deux pasteurs ça non. Et qui est-ce qui là, c'est James Solage. Encore nek Jamel. Tenez bien, oui. Ah, bon, bah, il y a ça le café zin. Non, attendez, je ne vais pas parler. Vous avez dit que vous avez fait photo, vous avez impliqué. Eh, mais je ne vais pas la justice. C'est la justice qui a tendu les gens pour qu'on ait dans qui cadre que vous êtes chita. Je ne vais pas la justice. Moi, je m'abdou ça, moi. Et m'abdou qui est-ce que tout. Ça me joigne sous yo. Là, c'est magistrat qui est ça qui là. Docteur Emmanuel Christian Sanon, qui en face, monsieur, a qu'à parler. Et, dans deux monsieur là, c'est un sénateur John Joel Joseph. Et là, c'est James Solage. Faut toujours rappeler qui est-ce, monsieur, yé. Vous comprenez? Parce que nous t'ai expliqué la République qui est-ce qui James Solage. Monsieur, c'est un gros chabrak. Et monsieur, c'est un haïtiano-américain également. Monsieur, t'as travaillé pour américain tout. Monsieur, c'est un potentiel ou bien un candidat potentiel pour l'Amérique de Jamel. Hein? Monsieur, il doit dire social, il t'a fait. Monsieur, habitué à Haïti, mon aide dans la zone montagne la voûte. Monsieur, c'est nèg mon chil dans Jamel. Et monsieur, c'est petit. Gardez connexion. Parce que vous en faites, monsieur, ça t'en m'a rappelé nous ça. Faut que nous gardions connexion, yo. Gardez connexion, yo bien. L'OM d'où c'est rat, kay, kap manje, pa, kay, si gen enquête, kap mené, hein. C'est connexion, vous nous gardez. Marquez ça. Monsieur, c'est agent exécutif intérimaire sous PHTK. Alors, monsieur, c'est magistrat sous kit, mais mounio. Et c'est grâce avec Michel Martelly qui fait kit dans un paquet élu. Son vérité. Ça dit, même nèg PHTK, yo, allié. Et monsieur vient sous Jovenel. Jovenel remarque monsieur Balbon service, il continue Kembel. Et c'est monsieur TFM carnaval Jovenel là qui réalise dans Jamel. A dit son nèg qui proche pouvoir. On garde connexion yogunia. Donc monsieur nèg bon monsieur nèg plateau central mais qui vient magistrat Jamel. Faut me rappeler nous ça. Docteur Christian Emmanuel Sanon qui là que me gal montrer une pile bien tout à l'heure. Dans l'autre image. Monsieur c'est nèg Marigo, ça dit nèg Jamel. La famille Sanon yo sorti dans zone Marigo dans Jamel. Sud-Est pays. Kou nou a gen James Solage qui encore nèg Mochil qui sont ti localité dans Jamel. Moun montay la voûte kon monsieur très bien. Monsieur c'est petit Jean Solage. Connexion va montrer nous. Qui est-ce qui Jean Solage? C'est ancien magistrat intérimaire sous administration de Michel Martelly. Nous allons attendre samedi. Nous allons pas comprendre samedi. Monsieur c'est petit Jean Solage. Qui c'était agent exécutif intérimaire sous Michel Martelly? Kounya an gade connexion yo. Et ça fait moi même pas la justice. M'pa gade yon nèg sou impliqué ou bien pas impliqué. Donc c'est la justice qui pral tande ou. Et puis suivant son bail comme élément de formation. Et puis n'a comprendre cependant m'te din ça depuis. Depuis le premier jour m'te expliqué ça m'te din que si c'est pour vous avez image. Image que nous voyons. C'est ça nous gagne. Mais docteur ça non c'est un nèg qui rencontré. On paquet leader politique dans le pays. Par exemple, gon nom pas cité. Pour raison pas cité non monsieur. Mais si DCP Jivlé, il a fait pasteur parler tout. Hein, parce que gon magistrat me songe dans zone port de paix. Bon ami pasteur toi. Il dit nèg Marigold, dit Jamel Marigold. Ouais, depuis mon dit dans sud-est, il dit pas Jamel dans sud-est, non Marigold dans sud-est. Nèg Jamel Marigold. Eh bah, m'dou nèg mon chil bagay, montay la voûte. Nèg la dou pral Jamel. Li ki doit pral bien loin, li pral Jamel. Bien valé Jamel qui dans ravine dans balot traverser rivière la Gousrine. Ah, montre m ville la mettre là. Al dormi dans des papa. OK. Donc, si y pou faire photo ak moun. Par exemple, si y sou base ça, DCPJ a chercher moun. Grand pile moun a chercher. Parce que docteur Emmanuel Sanon, monsieur croisé ak un pile leader politique, quel dans pouvoir, quel dans opposition. M'dé même si ton nèg d'agou aya.
mande Aya s'il pas connait pasteur Christian bien. Si yo pa konn manje ti kabrité ensemble. Ay tout bon et bon la ka, voisin, Vivi Michel la gorité. Ça dit monsieur croisé d'ailleurs et moi-même m'a signé le bail ça avec même bagaille faux blanc, nous songe vous dit mettez lui suit. M'salio, faux blanc dans affaire coup d'état qui t'a pral fait 7 février. Nous songe bail ça, ça dit monsieur grand pile contact. Et bien mes chers amis, oui, c'est image ça n'tap gardé. C'est magistrat marqué qui ça. Quitte là, peut-être dans cadre d'une réunion d'affaires, même souhaiter que quand même la justice avait attendu tout le monde qui connecté avec docteur Sanon et forme pour ton tien fronti lumière. M'était pas nous déjà, mais faut me rappeler ça. Docteur Sanon pas seulement gagne accusation comme s'il était auteur intellectuel crime non. Gen moun l'a tout profité pour te plaindre contre pasteur Sanon. M'était dit ça depuis avant hier, pas vrai? Monsieur par exemple, il collabore avec une dame qui relait madame Edouard. Que me salue. Madame Edouard, me salue. Appel payé pour dans tabac. Madame Edouard. Madame ça avec docteur ça non, yo connaît, yo mette tête yo ensemble pour yo rassonner des étudiants en médecine. Yo promet yo bourse d'études, dit yo pral inscrire dans université en Floride. L'argent tombé, pasteur Mahon. Eh bah pasteur monsieur, pasteur, oui. Gros l'église li, gros l'église li et puis la baye moun yo mato. Donc, c'est justement ça n'te vle parler avec nous. Bon. Mes chers amis, je vais vous montrer deux bagailles. Et je vais vous recommander de bêtiser la République. Ok? Les gens qui sont sur Facebook, YouTube, je vais vous montrer dans quelle dimension vous avez bêtisé avec nous, avec la société. Dimitri Erard, monsieur était supposé répondre devant parquet aujourd'hui. Monsieur Boudin, invitation à lui parler. Nous allons regarder ça. Qui ça fait, monsieur, parler? Et qui ça qui vivait par la suite? Ok? Gardez pour ça qui écrit là. Ça, c'est le ministère de la Justice qui a adressé en correspondance by directeur immigration pour demander pour empêcher que Coventon Reynaldo quitte le pays. Parce que monsieur t'a impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse. Mais vous bagay m ka montrer là pour moun qui sur YouTube Facebook. Ou est ça li gon en tête pas vrai? Après ça il gen en date. Ça dit lettre ça li adressé à directeur immigration le 12 juillet 2021. 12 juillet, pas vrai? OK. Qui donc le dire? Yo mandé pour yo mettre interdiction de départ contre Coventon Reynaldo. Gardez bien. Après ça, ou est commissaire qui sien Bedford Claude. Et où est là, il est accusé de réception. Où est bien ça? Ça dit recevoir l'étlan. Et puis aussi, il y a le monde qui recevoir là. Il est accusé de réception. Pour le monde qui est sur Facebook, YouTube, qui suivent. Mais le monde qui est sur radio, qui attendait. Je vais vous montrer dans quelle dimension. Nèg ici, magouye. Et puis, je vais vous donner ton information. Attendez, nous bien garder ça, je vais expliquer nous là. Qu'on y a un garder pour nous, ça passe là. Ça, c'est le ministère de la Justice, c'est parquet pour le prince, bien sûr, qui a adressé lui. Ak directeur immigration qui mandé pour mettre interdiction de départ contre Reynaldo. OK. Koun ya an ale dans l'autre ça. Ça son lettre monsieur Dimitri Erard adressé à commissaire gouvernement. Moun ki sou Facebook YouTube gade ça qui passé là. Nèg ici tellement intelligent. Comme moi même là, elle pas vle tout même là m'a pensé aider société à ouais piclé. Monsieur kon lettre. Premièrement, soit bien gardé lettre là, tant ouais, son bagage qui paraît comme si son bagage qui scanné. C'est bon bagage comme si qui écrit son seul feuille. C'est un coup tant ouais, son bagage qui collé, qui scanné et comme si son lettre qui était là bien plaqué, même français hein, mais c'est bon lettre comme si là vraiment tapé. On va arrêter là. Cependant, attendez oui. Lettre là sort là dans tête là, pas gain en tête pas vrai? Bon, ça pas grave. Mais pas gain date. T'as dit lettre là pas gain date là dedans. Au même à plus de cas supposé mettez date là. Lettre là pas gain date. Et puis Dimitri Erard, baplicien, pas gen accusé de réception. T'as dit, pas connaît qui côté monsieur la gen lettre liant, t'as semblé li seulement bay quelques journalistes proches li, n'te ouais qui partage li, et puis c'est ça, ça arrête là. Est-ce que vous comprenez? Tenez bien, mes chers amis. T'as dit, lettre pas gen date là-dedans, et pas gen accusé de réception. Est-ce que nous, ouais, ça m'a expliqué nous la clé? Ça, c'est lettre Dimitri Erard, adressé à commissaire gouvernement, M. Bedford Claude, pour l'expliquer que qui ça monsieur dit dans lettre là? Monsieur expliquait que li pas capable de répondre devant parquet aujourd'hui, hein, c'est parce que l'inspection générale prend mesure conservatoire contre lui
Donc, en attendant, tout bagarre retourner à vie normale, et puis, il a planifié une autre date, mais l'être, il n'y a pas de date là-dedans. Maintenant, information. Information. Bah, scoop n'a pas information. Dimitri Erard, effectivement, monsieur, tu es supposé répondre question par quel jeudi. Monsieur, pas répondre question par quel. Là, on prend décision contre tout. Yo mettez mesure conservatoire contre tout au niveau inspection générale. Ça veut dire ou pas tellement privé de toute liberté ou. Comment processus là est d'après ça, on est qui qu'on est bah yo dis moi. Maintenant, là on applique mesure conservatoire là. Chaque jour supposé venir dans inspection générale. L'on vini à 8h du matin ou sien. Pour le konon là. Ou sien qui dit que ou présent. Et pour passer tout restant dans l'inspection générale. Et puis, gonne qui dit, pasteur, qui est ça? Je ne vais pas 9 mm, ni bon sentil, pasteur. Est-ce que vous avez mettre là? Maintenant, attendez, chaque ou vini dans l'inspection générale ou sien à 8h du matin. Ou pas ces journées là, ou gen doit chita dans machine ou mais ou pas comme si déplacer aller loin parce que gen yeux sous. C'est-à-dire contrôler tout mouvement fait. Mon pas trop problème. OK? Mais on contrôler déplacement. Mon en dedans ou dans inspection générale. Et puis après-midi près dans le 4h, ça dit c'est l'heure pour l'école laguer. L'école laguer à 4h, qu'on y a fort ou si encore pour dire que ou t'es là ou pral aller qu'on y a. Et bien depuis avant-hier Dimitri Erard gagne Amazon qui c'est coordonnateur alors qui c'est responsable Katim et gagne Civil qui c'est coordonnateur général Palais National et gagne Léandre qui c'est responsable USP. Et bien justement tout nèg sa yo gagne mesure conservatoire qui déprend contre yo. OK? Tendez oui. Qui gagne mesure conservatoire qui prend contre yo. C'est le même processus là. Chaque matin, vous venez aussi hein, dans l'école, dans la classe là. Et puis à 4 heures, vous pralez. Bon, je dis 4 heures, mais monsieur que 4 heures. Et puis aussi hein, qui dit que vous pralez. Mais c'est ainsi, vous avez une période de temps. Vous avez un mois comme ça, vous avez marché faire comme ça. Vous avez suspendu un gros chef. D'ailleurs, vous remplacez avec ça déjà depuis avant hier de dire ça. Vous remplacez avec ça. Donc c'est l'autre monde qui est dans tête unité ça. Actuellement, son l'autre monde qui a dirigé USP, son l'autre monde qui a dirigé USGPN, et son l'autre monde qui coordonnateur général, et son l'autre monde qui n'a qu'à team. Parce que nèg sa yo gen mesure conservatoire qui prend compte yo. Et bien chaque jour c'est comme ça. Mes chers amis, voici l'information. Donc, chaque jour nèg yo vini aussi, hein, après ça yo allé, inspection générale a suivi yo. Mais c'est vrai que m'te senti gen ti problème parce que nèg sa yo, c'est pas nèg pour inspection générale t'ap tande, c'est depuis même côté a nèg sa yo te supposé devant le parquet de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement. L'information mes chers amis après-midi yon, lorsque nèg yo fin si yon pou yo ale, et ben gen 2-3 policiers bien équipés qui dit Dimitri Erard ou pas rentrer après-midi. Donc pendant n'ap parle la Dimitri Erard qui c'est un nèg important pour qui ça, on va l'expliquer pour qui ça. OK? On va l'expliquer pour qui ça? C'est parce que gagne enquête qui a mené sur Dimitri Erard. Gagne un pile amis qui même parlé de Interpol qui t'a intervenu dans dossier ça et qui t'a porté des précisions. Moi pas de confirmation directe et ça fait me pas relayer information Interpol. Un journaliste qui t'a écrit, Jim, je te salue, mais je ne pas publier l'article parce que je n'ai pas la sensation ces informations là bas. Il faut nous confirmer, même si nous ratons scoop, il faut nous confirmer l'information avant de nous partager. OK? Et mais qui s'est passé? Gagné directeur général police colombienne, général Jorge Luis Vargas. Monsieur dit, attendez bien, ça me va l'expliquer nous là. Directeur général police colombienne, général Luis Vargas, monsieur convaincu, commissaire police, Dimitri Erard, qui c'est responsable, unité sécurité générale, palais national,
ça nous relé USGPN non en Haïti. Monsieur dit Dimitri Erard c'est un élément clé pour établir lumière sur assassinat Jovenel Moïse 7 juillet passé. Ça c'est directeur général police colombien qui a parlé, Luis Valgas qui a parlé. Monsieur Valgas, monsieur dit que lui souhaitait également Dimitri Erard by détail clair ou clair rose. Sans ou comprendre comme si y a mari moulé corps là, c'est dit vérité a. Directeur général police là dans pays Colombie, il dit le besoin Dimitri Erard by vérité sous cette voyage il était fait en Équateur, en Colombie et puis République Dominicaine entre janvier 2021 pour arriver mois mai dernier. Attendez, on va pas nous voir en détail. Directeur général police Colombia, Luis Valgas, monsieur dit que lui souhaitait lumière faite sous sept voyages. Gon article elle tient pour te dire 6, mais directeur police a dit 7 voyages en Équateur, en Colombie et en République Dominicaine entre janvier 2021 pour arriver mois mai. Monsieur son Équateur le formé parce que m'te dit Dimitri là, monsieur son nèg qui était à la première formation en Équateur, monsieur retourné sans le pas passer étape normale yo. Michel Martelly prend monsieur le fait Godson bourré dans palais national, li mette le comme inspecteur divisionnaire. Pays scandale monsieur, pays des autres. Nèg tête calé ça, nèg yo fini, nèg yo crasé institution pays a, nèg yo sale pays a, nèg yo gangsterisé pays a, nèg yo corporatisé pays a. Et puis tout le monde d'accord, yo nou 2022, ouais pas ouais, tête calé. N'a bien tant qu'on est. Tendez bien. D'après directeur général police Colombia, monsieur dit que Dimitri Erard, monsieur fait voyage ça entre janvier pour arriver mai. Monsieur dit que 19 janvier, monsieur fait République Dominicaine, Bogota, et pas Haïti n'a fait l'obéi. Moun sa wè mène enquête. Tout petit détail compte pour yo. Parce que yo gagne petit yo qui n'a mène en Haïti. Yon n'a fait l'obéi. Que les moun n'ont pas besoin de faire ma kak compliqué enquête là. Alors que enquête là facile, nous débattons pas quelle piste. Nous pas attendre moi, c'est les blancs. Les blancs parlent, entendez. 19 janvier 2021, monsieur font voyage entre République Dominicaine pour aller Bogota. Ça dit monsieur dormi Bogota. Monsieur 20 janvier le fait de Bogota à Équateur. Attendez bien. 20 janvier monsieur fait de Bogota à Équateur. Monsieur rete en Équateur bon titan. Et 1er février 2021, monsieur fait Équateur à Bogota et République Dominicaine Bogota. Ah, ça paraît suspect. Ouais ça, là le très suspect parce que 1er février seulement, monsieur fait Équateur Bogota, Bogota République Dominicaine. Non, là le paraît suspect, faut regarder ça. 1er février 2021. 22 mai, n'a pas rapproché là, ouais, mai, juin, juillet. 22 mai 2021. Monsieur fait la République Dominicaine et Bogota. À tout son transit, République Dominicaine à son transit. Parce que gen réunion c'est là ou planifié en République Dominicaine. Où songe d'ailleurs ouais, n'ayo pral fêter 10 ans yo, c'est République Dominicaine yo aller. Et bon Dieu pour yo, les pendant yo là et puis yo paraît là, yo ra les amis, son la familia. Yo dit monsieur son mauvais grain dans mi-temps. Et monsieur vous connaissez, est chargé mauvais grain. Vous comprenez mais yo prend monsieur ra aller là, dit nèg ça le baka chita dans mi-temps non, son nèg qui pas fine trop clair et son la familia qui c'est chef base Galil. Cap commande l'équipe PHTK de Gabriel Fortuné te parler nous. Il dit que nèg ça yo c'est bandit légal que yo même y a prôné dans pays. Bandit légal, tout bagay yo légal. OK? Et m'va l'expliquer ça fait moi-même te dit avant hier. Jovenel mouri dans égaréli dans peut-être sous moun ni mais dans prend poste kokorat li tout parce que tout moun k'ap sécuriser Jovenel il pas connaît yo, c'est Martelly de Bali yo. Il a fait Jovenel son équipe pas regarder Martelly fort danger. Ouais bah enquête ça me souhaiter lumière faite autour de cet assassinat. Oh Dieu. Maintenant, regardez. 23 mai, monsieur fait, attendez. Ça dit son bail qui a planifié. Là, pas une blague là. M'a répété, directeur général, police colombienne. Attendez bien, mon cher. Gardez le temps au bout. 19 janvier, monsieur fait République Dominicaine. Bogota. Hein? Maintenant, on regarde le 20 janvier, monsieur fait Bogota, Équateur. 1er février, monsieur fait Équateur, Bogota, République Dominicaine. 22 mai, monsieur fait République Dominicaine, Bogota. 23 mai, attendez, oui. 23 mai, monsieur fait Bogota, Équateur. 28 mai, monsieur fait Équateur, Bogota. Et 29 mai, monsieur fait Bogota, République Dominicaine. Nous pas fait pays.
Comme si pour Léon Charles, pas d'explication là. Non, mais en sérieux. Pour Léon Charles, qui c'est directeur général police là. C'est monsieur qui est responsable du AGPN. Et pas ça? C'est monsieur responsable, oui. Alors, comment elle fait par un contrôle Dimitri Erard, qui a déplacé, etc. Pour elle faire qui ça? Est-ce que c'est la police qui t'a envoyé la mission? Nous pas fait pays, monsieur. Scandale n'a fait. C'est scandale n'a fait, nous pas fait pays. Maintenant, on continue. Qu'est-ce que le sénateur la tortue? Sénateur la tortue, information ça, le peuple a besoin, yo, ou même tout besoin yo, comme dirigeant politique. Attendez, oui. Monsieur Louis Valgas, monsieur continue pour le dire. Li vle clarifier, ou bien t'as souhaité également, une explication claire qui portait sous lien qui existait entre société de sécurité privée. Hein, monsieur Gen, société de sécurité privée de Dimitri Erard avec yon film yorele CTU Security LLC. A dit monsieur Gen, directeur police la dit li besoin Dimitri Erard expliquer comment bon nèg kon sa dans la rue. Et puis la justice met fort à faire macaque après les militants, après les dirigeants politiques a fait grimace. C'est déblosa en a fait pour grand merci alors que nous gon paquet éléments, nous gen piste dans mais nous qui pour mener son bon enquête. Eh mais non, game shop prend pression parce que nous devons un projecteur en bas matin, hein? Monsieur gagne plusieurs nèg boy, nèg yo encore boy qui avec commissaire. Et monsieur senti que monsieur a traité un gros dossier dans la République. Monsieur Bedford Claude ou en face l'histoire. D'ailleurs, Rockefeller Vincent, monsieur pas capable de mener dossier ça, son reste avec lui, il pas il pas capable rien. Donc c'est vrai malheureusement même tout ou pas capable décider rien, hein? Et obligé en bas ordre ministre là. D'ailleurs, Gonzague D, monsieur Mahon, même lui dit que c'est subalterne li nouye, c'est exécutant li nouye. Qui donc si Gonzague D pas bon l'ordre pour marrer Dimitri pas faire. Et monsieur Doué subalterne nouye, c'est exécutant. On est fréquent monsieur. OK, même t'as souhaité pour l'histoire pour paraître grand dans yeux société a. Et bien, une série de nèg qui pas doit dormir dans cabane yo. Yo pas supposé dormir dans cabane yo déjà. Gen trop indice, gen trop connexion. Donc regarde nèg. Kou y a moi yo cherche moun qui te fait photo avec docteur Sanon. Et n'a cherché ou dol, il m'a téli abdomen la kay li même. Ah non bêtise monsieur. On pas être renseigné oui. Regardez bien, regardez photo à vous oui. Zami personnel, même j'avec Daniel Evex. Même j'avec Daniel Evex. Et non pas sérieux. Donc directeur général police colombien. Hein? Monsieur dit que li besoin explication, li ta reme konnen. Lien qui existait entre société sécurité privée Dimitri Erard et petit garçon là Dimitri Erard ça avec un film qui est le CTU Security LLC. Comparé ça qui ça là pour le faire. Tenez bien la société. M'a répété le directeur général de la police colombienne Luis Valgas. Monsieur dit que comparé CTU Security hein, li là pour le recruter qui donc bousquer chercher ancien soldat colombien. C'est ta compagnie ça qui t'a recruté, qui t'a cherché ancien soldat ça, qui t'a lié dans affaire assassinat président Jovenel Moïse là. Attention hein. Il faut rappeler Dimitri Erard, son nèg qui était déjà fait objet d'une enquête en Haïti pour trafic d'armes. Nous songez ça? Mais comme c'est Dimitri Erard, Zami Michel Matéli, Kokodaï Michel Matéli, yo pas arrivé sur lui. Donc monsieur Valgas qui c'est directeur général police là. Hein? Monsieur dit que li souhaitait une réponse avec question ça va le poser. Et puis il expliquait comment président Jovenel Moïse mourit dans condition ça en dans la caille. Alors que commando a, yo pas détecté rien. Pas un agent sécurité président qui même blessé. Attendez oui. C'est les blancs parler entendez. Même pas dit ça déjà. Monsieur dit pas comprendre. Parce que comment on sécurise un VIP? Et puis yon rentre avec facilité pour yon prendre VIP. Hein? Le ap touye Jovenel là. M'pas de bonne information ça. Le Jovenel qui est en réel dit que le danger. Dimitri là, monsieur prend machine privée la compagnie des chauffeurs. Li. Et puis il monte. Là, monsieur arrive en l'air dans Petionville. Monsieur tende balle, yon ap tire, il prend poste que le baron a rien. Et puis la brele, et ti monsieur, yon GPN yon pour vin bay backup. Et puis lui même lui est là dans la machine, la frise. Et puis cartouche ap vide la président. Sans monsieur pas même pas explication côté agent t'es là déjà yo. Alors que pour petit vétéran agent t'es là qui t'a suivi le président côté nèg sa yo. N'a bousqué au dans nature là par contre côté oui. Et bien dit n'a mener enquête monsieur. On dit n'a mener enquête, nous pas sérieux. Donc Luis Valgas qui c'est directeur général police colombienne non. Monsieur pas qu'à comprendre pour un président assassinant dans la caille
pas gagne un agent sécurité président qui même blessé. C'est trop facile. En tout cas, mes chers amis, pays a nous gen problème, nous gen pile problème dans la société. Donc, en dépit de tout, Dimitri Erard, monsieur pas libre à soya. M'pa ka di monsieur ba code, mais monsieur sous contrôle la police. Ici c'est Michel Martelly et le puissant Rudolf Jar, très recherché. Son nèg yo té arrêté déjà, ouais l'image ça dans garde en bas là. Yo té arrêté monsieur déjà en République Dominicaine pour implication présumée dans affaire trafic drogue. OK? Monsieur va plaider non coupable. Aux États-Unis, on connaît. Il y a pile causé qu'a dit sur monsieur tout. Mais c'est monsieur, comment on cherche monsieur? Et puis on pas chercher Michel Martelly. Et nous pas sérieux monsieur. Nous pas sérieux. Nous pas sérieux. Hein? Mais voilà avec là. Mais imagine là, nous pas fabricant. C'est-à-dire, n'a cherché moun qui fait photo avec pasteur ou bien docteur Emmanuel Sano et puis nous pas chercher, nous dit n'a cherché Jean Rudolph et puis pas même inviter Michel Martelly pour ta vinn ba un petit détail. N'a yo trop puissant dans pays. Parce que ça crivé. C'est eux même qui mettait tout ministre. C'est eux même qui gagne contrôle tout système justice là. Moun ba relé yo et puis ça passé. Nous n'en courir pirade la société. Bon. Eh bien, ça crivé là. On va l'obliger prendre sénateur la tortue parce que l'est arrivé qu'on a pas là sénateur la tortue. N'a pas l'autre petit détail yo après. Ou bien pendant on fait interview et puis gagne petit détail que n'a pas tout. Et puis on recevoir information ou même comme ancien sénateur de la République ou bien Jean sénateur sénateur Remedil sénateur empêché et comme dirigeant de parti, comme ancien conseiller d'un président de la République, comme étant ancien président de l'Assemblée nationale. Qui ça doit lorsqu'on levé dans matin et pour recevoir information qui dit que Negaxam rentré la caille président paysan de facto, de toute façon c'était le président, c'était qui doit décider et bien d'où Negaxam rentré la caille pour assassiner. Comment tu recevoir information ça sénateur? Femme de recevoir information ça, moi j'étais très choqué. Choqué parce que la démocratie ne vit pas de violence. Ça veut dire quel que soit eh bien, opinion que un monde a gagné, ou pas doué à résoudre problème dans la politique par la violence. Et il y a une phrase ça, que tout étudiant connaît, c'est l'homme est parti politique, c'est l'arme de la dialectique. C'est pas la dialectique des armes. Moi j'étais très choqué et vers 7 heures, nous avons fait une conférence call avec tout dirigeant d'Iopodio pour nous condamner. C'est le premier note qui était sorti pour nous condamner à l'assassinat et puis pour nous demander justice. Moi, je crois que le débat est fait pour que la tendance qui est opposée n'arrive pas au minimum consensus. Mais le débat n'est pas fait comme ça. Et l'homme qui a dit ça, moi, j'étais choqué politiquement comme leader. Moi, j'ai dit que ceci est inacceptable et que nous pourrons faire tout ça possible pour que justice soit rendue, pour que n'importe qui ainsi occupe un poste dans le pays, ministre, premier ministre, président, et n'importe qui l'autre poste, pour que le pas senti que Jodia, eh bien, il a fini avec elle par la violence. Moi, j'étais choqué tout par le fait que, pas oublié, moi, c'est un ancien responsable USGPN, Unité de Sécurité Générale du Palais National. Et que, moi, connais que l'unité ça qui était créée en 1994, c'était pour protéger le président. Même Jean sous Mitterrand, en 1983, il était créé en France le groupe de sécurité présidentielle pour protéger François Mitterrand. Parce qu'avant, c'était l'armée qui était assurée sécurité. Eh bien, le 6 août 1995, il était un décret qui était pris pour qu'il était assuré justement la légalité de l'USGPN. L'USGPN, c'est l'unité de sécurité générale du Palais National. Le CAP Team, c'est le CAP Ambush Team, c'est-à-dire une équipe anti-embuscade, qui est la deuxième unité de sécurité du président. Et l'USP, qui est l'unité de sécurité présidentielle. Trois unités, ça y est, c'était pour assurer la sécurité du président. Président Aristide, président Prival, président Martelly et président Jovenel. C'était des unités qui étaient les gens là-dedans, quel que soit le président, c'était pour protéger. Et la première fois, depuis création unité ça, yo, que on rive dans un comme ça. Moi, j'étais très choqué, parce que moi, connais ça, unité de sécurité générale du Palais National, comment les voulaient organiser pour protéger le président. Moi, connais que, je dis à trois unités ça, yo, l'état très difficile pour que le monde arrive sur le président. Pour le monde qui attendait nous,
par exemple en France, gagnent le groupe de sécurité présidentielle qui gagne là-dedans justement deux unités. USP qui protège les émotions accoustumiaux, et il gagne là-dedans le CAPTIM qui c'est l'unité anti-embuscade de président déplacé, si vous regardez, c'est eux qui ont perdu. Et puis, dans le périmètre-là, il y a une unité militaire qui est assurée pour l'exécuter. C'est le même modèle ça que nous reproduisons ici. Nous gagnons l'unité de sécurité générale du palais qui protège tout périmètre palais. Il y a le 4e qui sont unités en dans palais qui protège le président dans le deuxième périmètre de la palais de la Kaili et qui fait son tarilé et qui va tirer un buscade de président déplacé. Il y a l'USP qui va prendre le périmètre et dans la costume qui est au président. Donc, l'on va comme ça monté depuis 1994. Moi-même, moi qu'on est noté là. Et puis, l'homme gardé, moi, où est-ce que passé là, moi, j'étais très choqué. Moi, j'étais très choqué parce que moi, je crois que l'homme, on a trois périmètres pour traverser avant de sous lui. Folta très difficile pour qu'il assassine. Folta très difficile pour qu'il arrive sous lui. Et, pas oublier, que ce soit la caille président, que ce soit dans le palais présidentiel, là, on a l'autre périmètre. Ça, on a arrivé le quatrième périmètre. Là, on a parlé à Gessimo qui toujours a pu faire patrouille autour du palais. C'est-à-dire que avant d'arriver dans le palais, il y a patrouille ça qui là. Là, au cas président, il y a une unité de la police qui rejoint avant qu'on rentre, avant l'IGPN. Donc, ça veut dire que il y a quatre périmètres avant d'arriver sous président. Disons la Kaili, il y a Simo qui est dehors, il y a l'IGPN qui est troisième périmètre, il y a le CAPTIM qui est deuxième, il y a l'ISP qui est premier. Donc, moi, j'étais très choqué, je me demandais comment ils fait traverser 4 périmètres. Et j'étais moins choqué politiquement. Parce que fort que ça va arriver dans le pays, quelle que soit l'opinion, c'est au niveau de l'arme de la dialectique, de débat. Mais au niveau de sécurité présidentielle, là, tout, il faut que l'on organise pour que Mounsa qui là, il n'y a pas jamais arrivé sous lui, parce que c'est le premier personnage de la République. De la République. En garde ça. Oui, sénateur. Permettez-moi de dire. Vous songez là, moi-même, moi, je te dis, il faut que, justement, il y ait des experts qui aident la police nationale. Parce que la police nationale, mon genre, l'a dévié. Et que nous te dit, attention, monsieur, ça m'a dit à là, c'est pas pour protéger ni au monde, mais c'est pour assurer que la police nationale a fait travail. Parce que dans la dernière mission, nous avons fait moi, j'ai dit que la police nationale, il y a la police administrative, la police judiciaire. L'on est dans la police judiciaire, ou on travaille comme on fait. Ou pas dans la police judiciaire et administrative. La police judiciaire, c'est la police des enquêtes. C'est police que la police administrative, qui c'est la prévention, pas fait travail. L'arrivée de l'opération, c'est la police de l'opération. C'est là que justement, prévention parfaite et que y a besoin d'une police opérationnelle, c'est la DCPJ. La police administrative, c'est la police pour la prévention. Et moi, je dis qu'il y a des unités spéciales qui sont attachées à la police administrative. Il faut que chaque monde fasse travail. Ça m'a été remarqué. Et moi, j'ai fait 10 recommandations. Moi, j'ai dit, il faut que chaque unité fasse travail. Il y a normal dans la police, là, par exemple, que Simo, Guédelon et Simo, a fait travail, il n'a pas fait travail de maintien de l'ordre. Ça, c'est mauvais dit, C-I-M-O, c'est le corps d'intervention et de maintien de l'ordre. Simo doit rester lorsque il y a manifestation, Simo doit rester lorsque il y a des émeutes, ou il y a un concert qui est intervenu, les grands gens qui sont intervenus, les grandes formations qui sont intervenues. Ou pas qu'à prendre Simo pour mettre en place SWAT. Parce que l'autre principe pour mettre en SWAT, c'est que vous prenez, vous mettez dans le maintien de l'ordre, et vous prenez, vous mettez dans l'opération. Maintien de l'ordre là, c'est le plus souvent, c'est des opérations, moi j'ai dit, de prévention. Alors que, soit team là, c'est des opérations d'assaut. Donc, on peut savoir qu'on a fait les deux. Parce que, n'est qu'une unité, il faut qu'il y ait des flèches de sa flèche à droite. C'est même genre. Moi j'ai dit, on commande pour que l'USGPN parle dans la rue. L'USGPN n'a pas fait patrouille. L'USGPN n'a pas arrêté. Moi, c'est la mission. L'USGPN doit arrêter pour que chaque jour, l'a entraîné pour que l'y protéger périmètre paléa, l'y protéger périmètre côté président, soit la Kaili, soit dans la rue. Et c'est chaque jour où il y a un programme d'entraînement pour que l'a répété même bagaille ça. Yo, l'on prend une unité comme ça, ou mettez fait plusieurs bagailles, à la fin, elle n'est pas performant dans rien. Et je dis, c'est ça qui fait dans la question de la police là. N'importe qui n'est qui dans l'unité, les cas sont dans 6 mois. Là, le commissariat, les autres commissariat, le GPS, ni pas de formation pour rien, ni venons touche à tout, et à la fin, pas professionnel dans rien. Et je dis, moi, je crois que la police nationale, il y en a pour mes filles, mais c'est rien, ou j'ai une unité de tous côtés, et pas de formation. Et c'est ça fait que moi-même, là, où vient poser problème, là, moi, je suis très choqué. Mais en même temps, moi, souligner problème, ça y est,
Parce que je pas de arriver moi-même au front et concrète, moi te dis bon faire des recommandations. Et je dis, nous profitons pas de ce problème ça, parce que, écoutez, il est temps, après l'amour ça, plusieurs monde que nous avons, que ce soit dans la manifestation, dans les policiers, c'est un mauvais entraînement encore. Que ce soit le président qui mourit, c'est encore le problème, parce que le président n'est pas doué mourir dans la condition ça. Donc, il faut nous remonter le TT depuis le départ pour nous dire mes problèmes. Yo. Avant que vous arriviez dans la question d'enquête, il faut regarder qui faiblesse qui est, qui a fait que des unités dans la police n'ont pas fait rôle. Yo. Et c'est dans ce sens-là, moi j'ai besoin au départ pour nous dire que moi choqué politiquement parce que le président doit être vivant. Même le mandat fini, il était là de facto, mais il faut être vivant. Ce n'est pas par la mort que il doit quitter le palais national, non. Ce n'est pas un accord côté que il doit dire que le mandat fini mal. Ouais. Et c'est ça nous demander. Cool. Et deuxièmement, choqué parce que pas qu'il y a tout le monde, c'est 322 qui sont dans l'unité de sécurité générale du palais. C'est qu'il n'y a pas de 54 personnes qui sont dans l'USP. Ça fait environ 422 personnes. Sénateur, vous avez bougé parce que de temps en temps, vous avez coupé. On souhaite qu'aucun des mêmes positions pour pouvoir passer clair. Parce que c'est le monde entier qui connecte là. Il faut qu'on essaie de garder, pas changer de position pour pouvoir passer clair. On garde. Sénateur, on garde ça. Parce que ce qu'on va expliquer là, c'est extrêmement important. Même bien content qu'on ou explique ça parce que moi-même qui pas policier, c'est exactement explication ça m'était parlé de USP fonction yo Katim également agent USGPN. Qui ça ça dit lorsque ou tendez des informations qui fait quoi que yo parlé des mercenaires qui t'a rentré dans pays an, qui viennent poser action ça. Est-ce qu'on même comme garde est-ce que ou senti que information qu'a véhiculé yo t'as gagné comme si on t'y cale vérité là-dedans ou bien est-ce qu'on habitué comme si garder fonctionnement vraiment des mercenaires est-ce qu'on pense un crime comme ça c'est des étrangers t'as sorti par exemple en Colombie et puis qui viennent rentrer avec facilité pour assassiner le président qui ça d'où lorsqu'on obtient des informations ça eh bien le premier ça vous n'avez regardé moi même je t'explique que au monde pas qu'à franchir qu'à périmètre ça ou pas qu'à franchir ça veut dire que y a pas le même commandement. Je ne même comprendre, mais 6 mois, on est qui commandant. USGPN est un commandant. 4 teams sont un commandant. Claire. USP est un commandant. Ça veut dire que nous avons 4 nègres qui sont même commandant que ces 4 nègres qui vont recevoir. USGPN va recevoir l'autre de 6 mois. USGPN va recevoir l'autre de 4 teams. 4 teams sont un commandant. Seul président qui a baillé tous les 4 mouns à l'autre. Chef de police, là, ça veut dire oui. Chef de police, ça va baillé USGPN. Ah bon? Il n'y a pas baillé 4 teams. Non. Dans le groupe de sécurité présidentielle, là, qui est, c'est des policiers. Oui. Mais d'après décret août 95, ils dépendent de la présidence. Donc, ça veut dire que, je dis, là, je vais essayer de comprendre, c'est que, on est qui dans l'USGBF, on est qui dans la CATIM, on est qui dans l'ISP, c'est le président qui a parlé l'autre à travers le commandant. Donc, je dis, là, je vais parler de M. Nemba, comprendre. Parce que moi, là, on est dans l'USGBN, pour qu'on ait chef de police à la capacité de l'autre, même si chef de police a vu dans le palais, faut que non sous liste là pour que chef police rentre. Ouais, on dit a tellement correct. Me songe Michel-Ange Gédéon, monsieur t'es fâché le pas assister en compte avec Jovenel Moïse parce que là arrivé dans palais nèg yo a fait monsieur Felago et monsieur fâché le tout ali tout casser tête tourner. Bon m'explique au quotidien commandant yo pas bail nèg qui dans force là l'autre non. Son liste qui doit sortir dans secrétariat général palais qui visé par le secrétaire général dépendant du président qui doit dire même monde qui va rentrer dans palais même monde qui va rentrer. Et moun sont rentré là, c'est immédiatement que vous voyez la poste là, et bien agent gè pour conformer les. Même si avant l'autre monde qui t'a rentré, commandant doit vérifier avec le secrétaire général là pour que vous avez rentré. Et de même la caille président, c'est encore plus grave. La caille président, c'est le président qui dit directement qui est qui a rentré, il voit un nom et il approuve non pour l'entrée. Donc la question de mercenaire, c'est le président. C'est-à-dire que moi-même qui est agent USGPN, je ne vais pas rapporter à mercenaire, je ne vais pas avoir plan. Même si c'est le président Joe Biden qui vient devant moi-même, je dépends du président Jovenel. Il n'est pas doué à rentrer dans le palais parce que Wolpam, nous sommes policiers spéciaux qui ont occupé de sécurité en VIP, qui est le premier de la nation. Donc, moi-même, je ne vais pas recevoir l'ordre de aucun autre monde. Et si moi, j'ai même quitté le quatrième périmètre là, il n'est pas pour recevoir l'ordre de USP, USGPN. C'est le commandant qui vous dit et le commandant ça lui-même, l'un arrivé.
il a demandé même l'islam pour que s'il n'a opposition, par exemple, la président n'a opposition de celui qui occupe Ouya, et c'est même l'islam pour quitter Mounsa à passer avant d'arriver sur RGPN. Donc ça veut dire que la question de la sécurité présidentielle, même j'ai été organisé en 1983 en France, je te refais parce qu'en France, c'est des militaires qui fait. En Haïti, c'est des militaires qui fait, c'était la garde présidentielle. Pas de gagné. D'autres questions de subdivision, ça y est. Eh bien, à partir de 1994, ils ont fini avec le groupe de sécurité présidentielle qui est l'USP, le CATIM et l'URGPN, et pas oublié. En 1994, pas bien l'URGPN, c'était le NPRG, National Palace and Residence Ward. C'était lui qui était formé en 1994, le président Alexis Toumain. Et les Canadiens, ils ont fini, ils ont remplacé les Américains, qui étaient rentrés en 1994, qui ont même passé, eh bien, moi, j'ai dit commandement à Canadiens en 1995. C'est Canadien qui transforme eh bien, unité à moi, j'ai dit sigle en langue française, ou le NPRG qui est National Palace and Residence Board, devine l'unité de sécurité générale du Palais National, URGPN. Donc ça veut dire que l'unité ça, qui occupe le troisième périmètre, ils ont légalisé en 1994 et ils ont dit que c'est des policiers mais qui administrativement prennent l'ordre de mes résidents. Donc ça veut dire que la sécurité étant organisée, c'est extrêmement difficile pour moi pour mon entrée. Moi, je dis, c'est mercenaire. C'est quoi un mercenaire? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est payé pour faire une activité, mais une activité militaire. Correct. Et bâtiment, non? C'est ça. Autant de fois, il y a plus de risques que l'argent, puis c'est ça. Mais un mercenaire qui, en général, a occupé des missions, en général, moi, je dis, n'importe quelle mission, et vous êtes à un mercenaire, c'est quoi Biotique Vidéo? Mais mercenaires, ça, en général, leur rive au côté, c'est pas par le dialogue que le parler. Non, c'est pas par le dialogue. L'arrivée, tout ça pour l'éliminer sur route, l'éliminer. Tout ça pour l'éliminer. Mais là, nous, ouais, côté que, ni traverser le périmètre Simon, URGPN, Katim, d'après ça, il a dit oui, parce que moi-même, je n'ai pas entendu la radio. Et tout ça, va dire à son analyse qu'il a fait. Il a traversé parce que nous attendons des gens qui blessés. C'est là. C'est là le problème. Ouais, c'est comment? Exactement ça que m'a dit tout à l'heure concernant le directeur général de police colombienne qui a posé la même question. On regarde le sénateur la tortue parce que qu'on est là nous n'a pas de gérer. Souba ça expliqué là. Moi-même depuis première émission m'ai fait ici hein. Ne dit pas qu'à comprendre pour un président assassiné d'un niveau ça en dans la caille. Tout ça a dit là au sénateur c'est logique. Et puis on est tant que Dimitri qui c'est responsable USGPN, monsieur dans la rue. Comment comprendre ça? Normalement, l'enquête est têtée, et ça fait une mission là-dedans. Autant, moi, parce que y a pile monde qui attend nous, et on toujours respecté l'auditeur de l'émission, dans le sens que on va regarder le côté technique là. Là, on a parlé du côté technique, là, on va parler comme sénateur Louis Latortue, qui était un membre de l'opposition, qui fait partie de nous. Non, là, on va parler de politique. Là, on va parler de politique. Là, on va poser une question, parce que là, il y a une entente qui fait, Joe Lambert choisi et Ariel Henry comme premier ministre. Nous allons parler sur ça, mais là, on a le côté technique, parce que on a parlé des responsables, des unités spécialisées au sein de la PNH. Katim, qui c'est commandant Amazon, et USP, c'est commandant Léandre, et puis USGPN, c'est commandant Dimitri Gérard. Donc, si vous voulez expliquer ce que vous dit là, sénateur, n'est-ce pas qu'on a la rue abdormi, vous n'avez pas à l'aise d'abdormi la caillou? Non, je ne pas mentionner comment enquête fait et réel. Loi font enquête, surtout le grand assassinat, où tout le monde connaît, il y a la protection de la scène du crime, côté que pour protéger tout côté crime, en fait, et c'est les premiers appelés. Ce sont moun qui étaient sous terrain ou bien les responsables. C'est-à-dire le premier cercle de l'enquête, les doit continuer moun qui étaient de service avec responsable pour que eux-mêmes à partir de ça yo dit ou bien à partir de indiction que ou remonter à pour un auteur matériel ou auteur intellectuel. Ça veut dire que même si il y a la protection de la scène du crime, faut que dans l'enquête là dans le premier cercle périphérique là, faut que tout moun qui étaient de service, faut que tout moun zayo et bien moté ka dit yo sous mesure conservatoire. Et pas pour nous que vous pouvez dire tout coupable, non, mais il faut que vous ne tout. Ni mon Claire, de correct. Enquête de proximité. Parce que moi, je comprends, sénateur. Je t'ai posé question ça. Comment pour le commissaire du gouvernement, pour la justice haïtienne, a mené une enquête sur l'assassinat, qui est le premier citoyen de la nation? Qu'on remet. Alors que proximité, entourage, président, pas intéressé la justice, c'est le monde qui oppose à le président qui intéressé, le monde qui part dans le pays, ou bien le monde qui vient loin, etc. Moi, c'est ça. C'est trop matraquage pour Jovenel, pas joindre de justice. C'est ça, je comprends moi-même. Là, c'est extrêmement important parce que là, on a parlé de pour le président de la République. Que nous-mêmes, nous devons reconnaître que Mandal Finil, c'est de facto, mais c'est le président qui était là. Et il est important pour joindre le monde qui fait ça, parce que si on ne fait pas,
qui ont porte que ouvert pour toute bagarre après. Maintenant, le fait enquête là pour une entité. Il y a plusieurs cercles. Le premier cercle, ce sont les gens qui étaient sur la scène du crime. Et scène crime ça fait élargir à tout périmètre qui était là. C'est-à-dire font partie de quatrième périmètre là qui était Simoyo, de troisième périmètre du SGPN, de deuxième périmètre qui Captim et de premier périmètre du USP. Faut arriver jusque là parce que pour mon arriver dans Kaila, faut commencer dans Simoyo. Et tout le monde ça yo, faut yo ka expliquer exactement ça qui. Et dans le premier cercle là, en matière et d'enquête, surtout les assassinats, et c'est au monde, justement, c'est des unités, eh bien, policiers, gendarmes, militaires qui fait, faut que responsable yo là. Parce que ça qui arrive dans le service là. Dans le service, USGPN, USP et Captim, c'est comme le service militaire. C'est un service 24 sur 24. C'est un service côté que l'officier du jour, celui qui est de service, il est là pour 24 heures, c'est lui qui est remplacé commandant. Ça veut dire que côté lié à, il faut une communication permanente avec le commandant, parce que c'est à travers le commandant qu'il peut entrer en contact avec le président, ou bien, si le président veut, il peut entrer en contact directement avec elle. Donc, le premier cercle concerne les gens de service. Le deuxième cercle concerne également, non seulement les nos panneaux responsables, c'est les gens de service qui sont responsables, et les gens de maison, pour tout le monde qui est dans Kaila, mais le deuxième cercle, l'aller à tout le monde qui est dans l'unité Sayo. Parce que, habituellement, là que au monde ou du service, c'est vous qui là qui assurez le service pendant 24 heures de temps. Mais tout le monde qui est dans l'unité, il n'y a toujours rentré dans le périmètre Sayo, parce que il là, il pas de service, mais il y a venu pour ton commission, ou au monde. Et monde Sayo, le plus souvent, il n'y a pas besoin d'autorisation formelle que on a liste là. Si au monde qui est dans l'UGPN dit, là, va entrer dans le coup de tel monde, eh bien, le plus difficile pour faire passer ce crime-là, tout autant que le pas privé dans le premier périmètre-là. Donc, il faut regarder qui est-ce qui est dans l'unité SAIO qui part de service, mais qui au même peut-être qu'à présent. C'est ça ce qu'on appelle le deuxième cercle périphérique. Et le troisième cercle, c'est ça qui est tout responsable, tout l'autre monde qui est venu, et il faut regarder l'IS-là tout. Est-ce que y a des gens qui étaient dans l'IS-là qui étaient retournés, ou bien il y a même tout qui étaient sous les lieux pendant qu'ils sont. Moi, je pense que c'est à partir des cercles périphériques, à partir de l'interrogatoire, qu'on peut remonter cette de crime-là, qu'on peut remonter mon cadeau historique de cette affaire, pour que maintenant, à partir des auteurs matériels, pour que on va chercher les auteurs intellectuels. C'est pour être certifié. L'œil au terrain, pour dire, bon, il y a, écoutez, ça sont obligatoires. Qui ça que moi-même, qui n'a pas gagné aucun rapport à ça, pour que on va remonter ce de crime, on commence par des gens de l'opposition. Parce que même si c'était au monde qui était là-dedans, il faut remonter sur le terrain et à partir de l'édition, il y a ou qu'à remonter avec eux, ou pas qu'à commencer avec eux. Là, il y a ce qu'on appelle, en matière d'enquête, la déviation de l'enquête. Mais nous pensons que dans le moment ça, pour parce que justement, nos besoins que Jovenel fait une justice, même si nous sommes en position avec eux, ou même nous allons dans le paquet, nous allons répondre à la question, pour que, afin que nul n'en ignore et que nous retournions à vrai monde qui était qu'à sous-scène, qui était posé action. Et c'est dans ce sens-là que nous gardons deux batailles. Premièrement, nous avons gardé en Haïti la question de la scène du crime. Que ce soit sous l'Oval et que ce soit sous le président, où est-ce qu'on a gagné qui protégé? Parce que le crime l'a fini commettre le plus souvent, eh bien, où est-ce que tout le monde vire de yo, où tous les policiers étaient courus, ils ont quitté la zone, ils n'ont pas traité. Et là, ça, maintenant, nous avons sous l'Oval, ils retournent sur scène crime pour le prendre à la patrouille et l'aller. Et pendant longtemps, moi, pense que c'est un crime là, pas protégé. C'est une première bagage qui est enquête là. Mais pour le moment, moi, pense que il y a un pile bagage qui est disponible, que ce soit mon qui est du service, que ce soit mon qui est commandant, que ce soit. Allô? C'est ça, parce que c'est ça. Allô? Yes, yes, tu as une petite coupure, en avance. Oui, c'est à partir de ça pour que vous remontez la question. Et je dis à nous-mêmes, nous pensons que c'est un combat que nous devons faire pour nous jouer de Montaïo. Parce qu'on s'est arrivé, il y a un bagage qui dit par exemple, et sous le principe militaire, on apprend déjà que ça vous dit pas vrai. Il dit mercenaire, il est venu, il y a le président, et là, après tout, il y a remonté par Pelerin, il y a redescend par Pelerin. Bon principe que nous apprenons dans l'académie militaire ou l'autre côté, la route de l'allée n'est jamais la route du retour. On fait qu'à parler en policier. Ah, moi-même, je parle avec les gars, puis je me lis tout. Comment pour mercenaire rentrer en côté, ça dit au compte côté au parler pas comment il a sorti. Avance sénateur, pas grand pile doute là-dedans. Parce que mercenaire colombien, c'est qui est-ce qui est? Son est qui était dans l'armée colombienne, tout le monde a regardé qui finit parce que nèg ça yo rentré bon 18 20 ans, yo fait toute vie soit y a bataille avec FARC là, qui c'est force armée révolutionnaire colombienne ou bien et l'autre guérilla qui c'est au guérilla d'extrême droite, qui eux même yo toujours pas après 20 ans de combat, yo quitté l'armée
et les gens qui ont la retraite, parce que c'est après 20 ans en Colombie, le monde n'a pas retraite, et les gens disponibles pour n'importe quel pays, mais pas oublier à 40 ans, c'est des hommes aguerris. Donc, mec, ça, l'école là, mais puis bien que on croit même ici aux États-Unis, après 20 ans de service, ils ont pris en retraite, surtout. C'est ça. Donc, mec, ça, pas besoin d'utiliser même mot, là, c'est pas le crime. D'ailleurs, moi, je pense que mec, qui a fait opération ça, il n'y a pas jamais plus que 7 ou 8 monde. Ils arrivent à côté, ils ont fait lit. Et y'aurait tiré qu'on y a. Ah, non, coupure là. Gon bruit là. Sénateur là? Moi là, oui? Yes, Maron ça qui passe. Ou en téléphone, y a un petit problème. Gon petit coupure. Mais nous t'avons demandé ça, sénateur. C'est vrai que ça a expliqué, yo, c'est logique. Parce que nous aurions seulement 15 minutes pour nous passer. C'est logique, mais c'est vrai, faut nous garder comme si commandant, yo, cap gérer troupe, yo. Mais qui implique, ou bien, qui, ça nous t'avons dit là? Et m'pa vle parler de implication, mais qui responsabilité le DG de la PNH dans tout ça? Bon, il y a un proverbe qui dit, en matière militaire, le chef est responsable de tout ce que fait ou manque de faire ses hommes. Bon bagage. Depuis 1995, c'est pas la police qui a assuré sécurité, c'est pas militaire, c'est pas la garde présidentielle que pour avant nous avons les casernes des Salines et le palais national. Les casernes des Salines qui fait le périmètre. Et le palais national t'a fait ça, USP a joué aujourd'hui. Depuis 1994, nous avons des militaires dans le service de sécurité présidentielle. Nous avons des policiers. Et tous les policiers dépendent du DG de la police. Et dans ce sens, moi-même, j'ai été averti dans 10 recommandations que j'ai fait. Mais on combat qui a déroulé. Toute unité, il y en a la rue, il y a fait n'importe qui ça, il n'y a pas entraîné. Je me rappelle qu'en 1996, les unités du RGPN étaient formées. Moi, j'étais commandant. Là, ça a été un programme. Là, nèg l'arrivé à 8h. Les vins prennent service. De 8h à 10h, là, fait sport. De 10h à midi, dans la classe. De midi à 2h, c'est temps pour nèg la prendre repas, pour prendre lunch. Et de 2h à 4h, nous recommençons le sport. Et là, que l'y fait ça pendant un mois, l'autre mois, l'y fait ça où il est entraînement, l'y fait ça où il est le SOP, le Standing Operation Procedure. Ça veut dire que il fait au moins la entraîner, il fait au moins la faire manœuvre pour ta défendre ça la faire et le gros bagage c'est pas un réflexe, il toile dans pour lui. Mais là pour une unité que qui doit entraîner parce que son unité spéciale, il peut être une unité spéciale, il va une unité générale. Là c'est une unité spéciale, c'est ça seulement la faire chaque jour. Même si le cas ouais que ça vient hier, ça vient ridicule mais c'est ça pour faire chaque jour. Mais en pile unité dans la police là, il n'a pas fait opération unité spéciale. Il a fait tout le bagage. Vous avez rejoint soit team. Téléphone a vraiment pas de problème. Hein? Sénateur là? Téléphone là. Allô? Oui, yes, yes. De temps en temps, il y a un petit coup, il y a un petit bruit qu'a fait. Là, oui, vous correct, sénateur. On continue. Oui. Moi, je dis que vous avez rejoint un nègre dans l'unité spéciale soit team et vous avez fait circulation. Vous avez rejoint un nègre dans l'unité soit team, la fait mettre de l'ordre. Vous avez rejoint un nègre soit team. Allô? Yes, ou correct, oui, sénateur, ou mettre avancé. Oui, ça veut dire que, ou t'es une faiblesse générale dans la police là, que l'unité spéciale là, que vous consacrez comme unité spéciale, qui doit faire un travail spécial chaque jour, pour que l'y prenne une formation spéciale, opération d'entraînement et d'opération, l'y pas fait encore, et vous remarquez, nèg la li tout côté. C'est très mauvais, parce que nèg la pas bien réflexe de protection. Et le cas quand t'es sous poste là, par exemple, on est qui est entraîné sous poste, quand il y a un président. A on est qui entraîné sous poste non ministère, pas même bagaille. Sous poste non ministère, il y a plusieurs monde qui ont passé l'ordre. Il y a un directeur administratif, il y a un ministre là, il y a un secrétaire d'État. Alors que dans le poste, dans le président ou le président, ce sont les seuls monde qui peuvent passer l'ordre avec liste là pour respecter. Mais là, il y a un détaché là avec un VIP. Après, on remet le président. Il y a plusieurs réflexes. Il n'y a pas de réflexe de sécurité présidentielle encore. Il y a un réflexe de ce que plusieurs personnes ont passé l'ordre. Et ça fait entendre que des nègres de Dieu est venu, avisé Dieu. Moi-même, moi dans l'URGPN, et puis on est Dieu venu, je vais arrêter de dire. Nèg Dieu n'a pas de droit de venir dans le palais. Nèg Dieu n'a pas de droit de venir comme président. Si Nèg Dieu a un bagage, la collaboration, la parler à ministère de la Justice, il n'a pas de droit de venir comme président à soi. Réflexe n'est qu'une sécurité présidentielle là, ni doit qu'on est qui doit rentrer comme président, son est qui sous liste là ou son est que président dit l'entrée. Donc, moi je pense que Jodia, on peut même dire. Si à Snaptando, avec attention. Oui, oula, oui. Bien passé. Moi je pense que Jodia, c'est un problème général. C'est un problème des unités, et c'est ça que je pense que je me dis, il faut aider cette police. Parce que
police là qui ont structure d'après loi 29 novembre 94 là, de police administrative, de police judiciaire, d'unité spéciale, pour le faire, il faut que chaque monde respecte le rôle. Maintenant, si nous venons directement à ça qui passe là, on comprend que le faiblesse général ça, il n'y a pas qu'à quand même quitter que le monde rentre juste sous président sans que pas grand rien passe. C'est un problème. Le problème ça, c'est pas moi qui le dire qui solution. Le problème ça, c'est l'enquête là, à partir des sept périphériques, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, selon les procédures d'une enquête, et bon, c'est-à-dire qui concerne un crime, qui pourra le permettre, je dis, que nous remonter à elle. Et c'est ça fait que moi, quoi que je dis. Moi-même, je n'ai pas délégué aucune déviation. Mais vous avez demandé, commissaire là, je qui ça me connaît. Moi, je dis, commissaire là, moi-même, je n'ai pas connu rien. Même si vous avez respecté toutes les règles pour Jovenel, le président du casier de justice. Cependant, moi, quoi que je dis, pas de y aucune déviation qui fait de relever mon opposition. Non. Vous devez commencer par les sept périphériques, la scène du crime, pour remonter à mon qui était là, pour rejoindre tout ça que vous rejoignez. Et moi, je pense que la première question pour Haïti, parce que je dis, si les bagailles sont faites et que vous n'avez pas fait pour rejoindre, écoutez, Haïti a relégué vraiment, moi, je dis, derrière la camionnette là. Mm-hmm. Parce que non, c'est anormal. Elle dit anormal que je dis, ou est que avec une déviation, non question enquête, qui était doué purement professionnel et qui était doué mettre la main sur n'importe qui est-ce qu'il a dans. Parce que je dis, ou bien impression ça te passe là, il y a pile réaction après qui fait que il y a pile suspicion, mais moi quoi que je dis, professionnellement, il revient à mon salon qui est délégation pour que yo font bataille professionnelle, parce que même si on a des FBI, même si on a des CIA, même si on a des la police colombienne DID, l'unité responsable d'une enquête, c'est la DCPJ. Et toute la unité ça doit accompagner à partir des formations qu'il y a pour qu'elle fasse travailler correctement. Et moi, je pense que je dis, ça qui arrive est négatif. Donc, condamner, il va devoir arriver. Mais si la police la font, il faut. Il dit, tout citoyen, mais ça qui est arrivé, mais ça qui est passé, nous joignons. Non seulement la condamner, mais la corriger, eh bien, pour que ça va arriver encore. Moi, je pense que c'est un soulagement par rapport à un pays qui doit arriver au pays, par rapport à des institutions que nous pensons qui sont très faibles, mais qui doivent relever figure à partir de ça qui est arrivé. Et surtout, sans accuser personne, que ni ministre, ni secrétaire d'État, ni le même pas fourré bouche, quittez que policier, qui officier de police judiciaire, qui ont pas fait enquête, mène les questions pour que vous puissiez interroger et vous puissiez arriver n'importe quoi. Et c'est dans ce sens-là que vous avez été présenté pour me dire que Jodia nous va permettre la pièce monde marron pour tout le monde présenter pour que yo ka di yo ka découvrir ça. Non, ou correct sénateur, il m'a dit ça hier dans cadre d'analyse que t'a fait. Me penser que moment là, c'est pas moment pour un série de pays courir a dit que d'ailleurs gain aide que ont demandé et pays ont refusé, c'est pendant que non petit tu as cité dans dossier et puis tout gain folie vienne aider. Me penser c'est la justice haïtienne d'abord qui concernée et qui gain suivi de fait. M'a rappelé pour monde qui fait connecter radio ou bien qui monter sur Facebook ou bien YouTube, oui, c'est confirmé même t'es baili. D'ailleurs c'est notre gain primeur là. Oui, Dimitri Erard, monsieur placé vraiment en isolement. Yo te tendez monsieur, monsieur te en gain mesure conservatoire te prend compte li dans inspection générale et c'est matin monsieur pas répondre avec une invitation par quai de Port-au-Prince après un pile révélation qui fait et me saute parler de directeur général police colombienne nan, qui font pas quatre révélations qui parlait de environ 7 voyages monsieur te réalisé entre Colombie, Équateur et la République Dominicaine, sorti janvier 2021 pour arriver 28 mai dernier. Monsieur pose en pile question et relation Dimitri Erard qui gagne une compagnie de sécurité et avec une autre compagnie de sécurité et qui t'a recruté des anciens militaires colombiens. Donc, en pile question de poser au final, yo kembe Dimitri Erard actuellement, monsieur, en bas, bon, monsieur, pas qu'à dire en bas code, mais lui placé en isolement et monsieur pas capable de rentrer la Cali après-midi. C'est ça l'information. Sénateur La Tortue, nous gagne pile causé pour t'as parlé malheureusement étant pas vraiment en pile pour nous parler causer ça yo, mais bien avant ou aller parce que gen yon petit point tout coûte en 2 minutes faut qu'on t'a balancé détail sur ça parce que bon question crise tout cap brasser bien paysan après l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais en garder ça sénateur La Tortue, moi ma ken en enquête cap mené là moun yo ap rele la yo m pa konti pou sa te relo parce que c'est ancien conseiller Michel Martelly gen yon ramification comme si gen yon meli melo entre des amis proches de l'ancien président Michel Martelly. Est-ce qu'on même qui te côtoyé monsieur ou pensez que quelque part monsieur ta comme si ta arrivé non niveau pour ta gen des moun qui très proche li qui t'a impliqué dans telle action aussi grave? OK, va dire du bail. Premier bail m'a dit, Dimitri Erard, c'est commandant USGPN. OK. Faut aller les commandants captifs, il faut aller les commandants USP. Parce que
dans tête mon yo capacité c'est Dimitri Leroy qui commandant sécurité présidentielle. Sécurité présidentielle là il y a trois parties là dedans, trois périmètres. Un périmètre monde qui protégé par l'air avec environnement, un deuxième périmètre monde qui fait équipe anti-embuscade là, et un troisième périmètre monde qui a costume des présidents. Donc il est important pour trois commandants ça eux même une explication sur ça qui passe. Maintenant, et question posée à sous au palais de Michel Martelly de relations qui doit est-ce que moun sa yo t'est impliqué. Moi-même moi crois que ouais l'enquête on t'en aime dedans. Oui, sénateur, nous là on va suivre. Oui. Ouais l'enquête, voilà fait baiso, c'est comme la justice, c'est la femme aux yeux bandés. Dans l'enquête, ou pas gagner pour mettre pièce moun à côté ni mettre pièce moun là-dedans au départ. La femme aux yeux bandés, ça veut dire que moi-même m'a fait en question professionnelle et qu'en n'importe monde moi joindre qui impliqué là-dedans, eh bien moun sa lui-même la police ou interrogé, la police ou kembel. Moi qui dois au départ faire plusieurs auditions, moi kembé moun que me passé, eh bien qui gagne 10 sous yo et que ce soit moun sa qui avec Madeline, il était avec la Motte, il était avec le Joseph, il était avec Adouin, donc qui s'est rapproché, il t'a même moun sa yo, eh bien faut kembel. Parce que justice là, il n'y a pas de rapport à relation politique. Justice a cherché les gens qui commettent crime là. Et long crime comme ça, pour mettre les cas internes, les cas externes. Ah oui, les cas internes, les cas externes. C'est pour nous partir. Est-ce que mobile là, il est politique? Est-ce que mobile là, il est économique? Ça, on va venir à partir de scène de crime là qu'on va le remonter à l'autre tour. On y a, on va garder les faits. C'est les faits ou tout ça, on va garder mobile là, ou on va garder les faits. Ça passe. Comment vous faites franchir? Le franchir 4 périmètres pour y arriver. Comment se fait-il que Baguette Moun qui est blessé? Ok? Est-ce que c'est la complicité interne ou bien quelque chose d'externe? Mais cependant, vous pouvez poser des questions. Questions, ça y est, vous pouvez répondre à partir de son voix jouée dans cette scène et de Moun qui t'a travaillé en dedans et qui répond nous. Donc, dans ce sens-là, moi, pense que Baguette Moun, surtout qui était en détail là, surtout qui t'a travaillé pour mettre de côté, et Baguette Moun, que moun sa yo ou ta wè gen relation avec ou ki ta permet que ou même yo agi pou pa rile. Donc dans ce sens ça, moi crois que faut nèg yo faire enquête là comme la justice, la femme aux yeux bandés qui ne cherche que la vérité. Non correct, voilà son réponse qui très diplomatique, très correct, qui pas politique, très technique également. Sénateur, bon franchement n'a pas obligé, n'a continué mais sous plateforme yo parce que grand pile monde qui encore branché sur YouTube, Facebook, mais les 8h faudrait mettre antenne à Zenith FM parce que n'était supposé font y garder bon mais c'est prend 1 minute quand même gagner on entente là qui t'a joindre côté où t'a décidé pour que c'est un sénateur Lambert qui t'a venu comme président et puis Ariel Henry comme premier ministre. Ou bon avis rapidement avant de remettre antenne à Zenith. Allô? Il y a sénateur ou là? Oui, excusez-moi, je me pose des questions. Ok, il est 8h, nous allons remettre à Zenith, mais bien avant de remettre, nous avons dit que rapidement, est-ce qu'on a un avis parce que tu as semblé qu'il y a une entente qui t'a joint pour que tu as choisi sénateur Lambert comme président et Ariel Henry comme premier ministre? C'est ça. Moi, je pense que je dis à moi, je fais un tweet, tu étais sur TWEB, moi, je dis aujourd'hui, le temps n'est pas à l'accaparement du pouvoir. Le temps est à la protection de l'État et la mise sur pied de l'État haïtien, de la nation haïtienne. Moi, je pense que même si vous arrivez dans une situation ou un accord qui fait des accords, ça, moi-même, entrer là-dedans, par rapport à rapprochement de l'égalité, parce que c'est une ces dernières institutions qui étaient dispositives, et vous jouez un consensus peut-être avec un monde que nous ne voulons pas. Mais comme c'est consensus avec le premier ministre nommé Ariel Henry, mais moi, je pense qu'au-delà du consensus, ça, il y a un pilote d'air qui posait. Nous ne pouvons pas collaborer avec des mondes qui ont des suspicions, qui ont même des là qui étaient constitués, moi j'ai qu'à dire tout ça que le régime n'a fait pas bon. Nous pas mal rentrer dans bagaille que pas une feuille de route côté que eh bien ils vont le mettre en l'autre CEP, ils vont le faire audit de la carte électorale, ils vont le garder question massacre. Donc ça veut dire que protocole d'accord ça c'est un bagaille parce que derrière moi pas intéressé à participer à la transition déjà. Moi pas voulu participer à la transition parce que comme parti politique du panneau c'est aller vers le pouvoir et sur la transition qui a influencé ça. Nous pas voulu c'est le peuple qui a décidé en toute liberté. Mais protocole d'accord là c'est un pas. Il y a beaucoup d'autres pas à faire et moi pense que si pas ça on va respecter, eh bien, on a préféré continuer la bataille pour la population, tant retrouver nous dans la transition, puis même pas continuer. Correct. Il y a deux autres questions pour le sénateur, mais bam, quittez-moi remettre antenne avec Zenith. Le temps a continué. Sous plateforme, on a pris 5 à 10 minutes encore parce que il y a plusieurs questions tout en bas live. Il y a un monde qui vraiment commenté là, car on a naïve, mais bon, il y a vraiment branché là, car je suis vous. Bon, remettre antenne avec Zenith à 8h. Merci, sénateur.
Un grand merci à vous. Et c'est pratiquement la fin de l'émission sur Zénith. N'a pas croisé bien sûr demain à compter de 6h pile pour votre émission Tikozak TT. Nous saluons toutes amies honnêtes qui t'es connecté nous. Keisha, je te salue, je sais que tu es à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la radio. PDG Ronnie Collin, bonsoir. CG Georges Fortuné, DG Luni Joseph, merci à toute l'équipe. Jean Junior, Rémus Célestin, chapeau à vous. Wolf Don, reprend l'antenne. DJ Fanfan Marius, comment nous y est? Salut, merci parce que t'es là avec l'émission ça. Greg, merci à Gilbert. Merci à toutes amies, t'es là, que t'y a. Merci à vous, n'a croisé demain sans faute. À compter de 6h pile pour votre émission Tikozak TT. Wolf Don reprend l'antenne. Le temps de pral prend 10 minutes encore avec sénateur Yuri sur plateforme parce que y a deux lois de questions de pral poser. Qui y a pour la question politique. Parce que y a Maître Caleb Jean-Baptiste qui dénonçait les bagailles tout. Nous pral regarder comment accord vous fait. Est-ce que Lambert est capable de gérer la question ça? Est-ce que c'est pas retour en force du PHTK? Nous pral regarder ça sur plateforme. Yo. Reprend l'antenne, Wolf Don, merci à vous. Yo fait bon kafou à yo boy yo ti yo fait viadik. L'agent marché font ta magaboule dans casino. Petit remise et jalousie gagote nan ona. Grâce y crève qui elle c'est pas bra nous pas marre. Blofe, blofe, volé, volé, mafia, mafia. Paysan blofe pas l'idée. Blofe, blofe, volé, volé, mafia, mafia. La jeunesse blofe pas l'idée. Batel amour comme nous pas mande pardon. Moun qui fabrique corruption, c'est yo qui met béton. Allô, allô, sénateur Sokiki. Passez m'pasteur Djepi pour le bam nouvelle ministre Belvi. Tim qui te scolaire, c'est même si mafia yo. L'agent Petro a te financier campagne yo. Yo dit prêche contre Petro, t'es si tellement belle. Dans stade Silvio 14, c'est là tout moun te réuni. Quelques jours après, Percy Moli te décédé. L'agent Petro a fait nèg yo criminel. L'agent Petro a grand nèg yo cannibal. Yo pété bal yo bay pour tout yo bay. Yes, sénateur, la tortue nous prend le fini, mais m'de vous mettre l'antenne avec Zénith. Mais il y a un pile monde qui a encore été connecté sur Facebook également, YouTube. Nous avons deux channels YouTube qui ont marché. Parlons pour changer avec TT. Et puis Trip Fumi Info ou sur Facebook. Donc le monde connecté. La Kaou na Gonaïve, un pile monde branché émission. Un pile commentaire, un pile question tout en bas live yo. Mais là, prends deux, trois avant de quitter aller, sénateur, parce que un pile monde félicite pour l'émission ça. Bon, comme toujours, ou toujours bien passé dans Ticozea. Mais même si pas une autre facilité. Mais en garde, sénateur. La tortue. Jodi an la gen pile plainyen, gen moun ki dénonce tout comme si accord ki ta joine entre des acteurs politiques mais ki gen moun tout ki prend radio kap di que yo pa là alors que yo voye plume yo. M senti gen hypocrisie quelque part. Ki sa bagarre là sénateur, parlez avec nous pour ki sa le choix de Joe Lambert et Ariel Henry. Parlez avec nous sénateur. Très bien. Moi je pense que nous avons une situation côté que le pays a retrouvé, moi te ka di à la croisée des chemins. Ou bien un président qui est assassiné, nous avons prôné encore et nous avons dit que le mandat président ça a fini. D'un coup, il y a un assassinat et nous retrouvons avec une réalité côté que PHTK à travers Claude Joseph, il n'y a aucun des pouvoirs et l'opposition. Et nous pensons que il était important pour que gagner un consensus où le pays a cherché route, élection et que le peuple a choisi de nouveaux dirigeants. Mais moi-même, je pense que le consensus là, les doués en consensus équilibré. Moi, pas qu'à aujourd'hui, il y a un consensus pour qu'il y ait des ministres qui ont pu reprocher, qui étaient dans la tête massacre qui a fait, pour qu'ils retournent là. Je ne peux pas gagner un consensus, côté que nous ne sommes pas d'accord sur le programme là, pour que moi, j'ai un nouveau CEP, un gros dit de carte électorale, moi, j'ai eh bien, gang pour qu'ils retirer, pour qu'ils combattre, pour que le climat électoral, pour que ça arrive. Je ne peux pas avoir un consensus pour les jobs. Alors que c'est important que je connaisse des gens qui ont travaillé avec. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que je dis, et je vais vous dire, nous pas intéressés avec force. Nous plus intéressés à parler à la population comme parti politique pour nous participer à l'élection qui a gagné. Et que le peuple comprenne que je dis, il y a des candidats qui manifestent en route du à ça qu'a fait là et qui ont courage, qui ont capacité, qui ont compétence, qui ont fait le bouillon. Transition, nous avons besoin d'assurer simplement en neutralité pour que le monde qui gagne, c'est lui qui nous baille. Parce que je ne peux pas compter sur PHTK pour le faire procès Petro Calumet. Je ne peux pas compter sur PHTK pour le faire
eh bien, pour ces massacre de l'air, massacre la saline, moi pas compté sur PHTK pour la faire contre la nationale, moi plus compté sur l'opposition qui doit rassembler pour le prendre pouvoir et pour exécuter pour grave ça que le peuple a d'accord avec elle. Donc je dis, nous venons rencontrer par la situation qui s'est proposée, que pas pour une transition de 3 ans ni de 2 ans. Nous venons rencontrer ce que je dis, son consensus qui pour faire pour que le climat électoral là établi avec le nouveau CEP, avec l'audit de la carte électorale, avec un climat sécuritaire, avec des mouns qui ont accusé dans le PHTK qui va être là, hein? Mais en même temps le gouvernement inclusif pour que nous arrivions vers des élections. Et moi-même, moi dis que depuis 2 ans que nous avons l'opposition, que je voulais symboliser candidat de rupture, que je voulais symboliser un parti de rupture, que je voulais symboliser une branche de rupture, je ne vais pas entrer dans n'importe qui bagaille, côté que on va collaborer avec des mouns que nous passons qui captent toute la population. Donc, dans ce sens, nous faisons un protocole d'entente par le fait que nous parlons pays à l'Afrique, mais quand même dans l'application du protocole d'entente, même si c'est le PHTK, mais ce n'est pas PHTK qui fait participer, ce n'est pas la personnalité qui fait participer dans engendrer massacre dans le pays. Et pas la population qui fait participer dans le président de mandat définitif. Et moi, quoi que je dis, il est clair, et ceci, je pense que si Ariel Henry, qui a été proposé pour le ministre, pas reconnaître ça, eh bien, il ne peut pas le défier, et il ne peut pas malheureusement trouver et sous route nous, côté que n'a obligé justement Ekatel pour que, eh bien, nous arrivions dans la route population. Il doit connaître que je dis à l'opposition pas parée pour entrer dans des bagailles, après ce que nous avons l'autre job qui a cherché, mais si nous étions dans l'optique que nous avons dit à, pour que gagner des mondes qui a préparé le climat électoral, qui n'ont pas participé dans les mauvaises affaires, qui ont même, je dis, qui ont mis Haïti sur le rail pour que nous sortions pacifiquement de tout ça, eh bien, il y a des figures de vérité, l'opposition va être là. Sénateur La Tortue, on regarde ça rapidement. Je vais quitter l'état là, mais parce que je dis, là, c'est le pays. C'est pas un citoyen, d'ailleurs, nous avons combattu Jovenel Moïse par rapport à comportement li, façon dont il a géré le pays. Je dis, Jovenel Moïse n'est plus. Mais nous avons gardé une crise là qui pas pitié avec deux premiers ministres. Et c'est la toute dernière action politique posée par Jovenel Moïse. C'était justement la nomination de d'Ariel Henry. Maintenant, on garde ça, sénateur. Ariel Henry, M. Potko prêté serment comme premier ministre. C'est-à-dire Potko installé comme PM. Claude Joseph, tu as un arrêté qui était normal, mais tu as un arrêté de sortie qui donc automatiquement arrêté par là, tu as supposé tomber. Ou elle dit, tu as supposé parce que Haïti est un pays spécial, sans penser qu'il a la loi, ce n'est pas lui-même qui nous applique. Maintenant, on garde sous base ça. Le fait que nous vivons une situation qui paraît compliquée, nous avons seulement un tiers sénat qui a fonctionné. Ça dit, par rapport à une résolution correcte qui prend en compte ça comme sénateur, comme ancien président de l'Assemblée nationale, il faut que tu aies au moins 2/3 dans le Sénat pour être capable de sortir vraiment résolution, bien que le Sénat siège en permanence, il faut nous rappeler ça. Cependant, sénateur, est-ce qu'on pense que c'est normal pour que nous sortions encore vraiment, et bien nous dit bon, nous en prenons l'ambert. Sous qui base? Sous base, bon, peut-être dans alinéa 3, article 149, que le taparet anti-classe plus légal que Claude Joseph. Mais ça même bagaille, yo. Retirez Claude, mettez Ariel, mettez Jean Lambert. Vous pensez que c'est même bagaille, yo. Qui sont pensés, sénateur? Si tout leader politique est d'accord, on chit à parler, et bien nous proposer une solution, côté que nous monter une commission de crise pour gérer la question, pour ta faciliter une transition, au lieu que nous courir pour te bourrer sous l'ambiance Ariel, et puis crise la vie même gens. D'ailleurs, sénateur, pas oublier Ariel Henry, ou pas faire une mission sous ça, non, peut-être ma vie sur lui demain. Monsieur, t'es ministre intérieur, affaires sociales, sous Martelly, a dit une possibilité pour monsieur impliqué dans le gaspillage de l'argent Petro-Caribé. En avance, sénateur. Très bien. Question posée à lui très clair, et moi, je crois qu'il y a deux aspects dans sa maladie. Le premier aspect, c'est que vous arrivez à l'esprit de la loi, à l'esprit de la Constitution. J'en suis dit à baguer l'application de la lettre de la Constitution. Sous la lettre, il faut d'abord on parle de la Constitution, que qui va étudier, et que sous taxi, il y a même parlement qui a été considéré ces dernières années, le SA, où tu as gagné, l'Assemblée nationale, là, qui désigne en bonne. Si on a considéré que madame était fini, eh bien, le ça, ou tu as une situation, moi, tu as dit, qui est illicite, parce que n'y a pas considéré le mandat président fini, ou tu as retourné dans le premier ministre. Maintenant, moi, je pense que nous-mêmes, ça nous fait, nous recourir à l'esprit de la loi et de la Constitution. Puisque je te dis, c'est l'Assemblée nationale et que je dis sénateur, nous dis, on a regardé dans le Sénat, qui n'est que sénateur, ça y a délivré. Puisque nous avons retourné à l'esprit de la loi, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec Ariel Henry, mais étant donné que nous sommes nommés,
quand nous faisons consensus là pour nous mettre. Malheureusement, il y a des gens qui disent deux mounes sur le CPHTK. Mais nous pas recourir à l'esprit partisan, nous recourir à l'esprit de la loi. Malheureusement, il est tombé sur deux mounes que nous pensons plus PHTK que l'opposition. Sénateur, sénateur, ouais là. Bon, alors nous même si on pas nous remettre Zenith en tête, mais faut nous gagne pile monde qui suivent encore sur Facebook et YouTube et qui a commenté très sérieusement. Sénateur, regardez. Ouais, je dis là nous non situation, nous non contexte particulier pour nous sauver le pays. Et gagne pile monde qui t'a parlé d'une dernière transition ou bien transition de rupture, c'est ça n'a prôné. Vous pensez que parce que mouvement a fait comme ouais son mouvement comme si on méthode par tâtonnement. On a essayé pour nous, on a tenté ouais s'il d'arrêter puis près l'esprit constitution etc. même s'il pas appliquer la lettre. Mais ça fait quelques temps par la constitution sénateur Yuri. Je dis à son accord politique côté que il y a un monde crédible qui pour mener nous sénateur. Est-ce que bon fin répondre m'a privé là. On aller maintenant. Parce que comme ça garder va regarder parce que je dis à la bas mêler dans mais nous. Assina la constitution sénateur nous mêler net. Pour que complètement les gens, c'est peut-être ça, moi, je dis ma bonne réponse là, à deux parties. Première partie, ah, c'est réflexion ça que nous faisons pour aller chercher le plus près possible de la légalité. Mais, partie B, c'est meilleur à moins passer. Et moins passer. Partie B, c'est réflexion pour la solution. Communication mal. Ok, on va se faire. Ok. Le ça, c'est parti ça que je pensais qu'il y a une solution consensuelle. Et le consensus, c'est la solution acceptée par tous. Maintenant, qui problème qui gagne ça? Et moi-même, Tété, qui a fait opposition depuis environ 3 ans, mais qui problème qui gagne là-dedans? Malheureusement, je vais le dire. Moi, pour que j'aime rêver pendant 3 ans ça, pour que nous chita dans le pays, et que ouais, une solution qui est acceptée par tous. Malheureusement. Malheureusement, il faut le dire, et c'est le point faible de l'opposition. Gagnez-le. Ou toujours avec des intérêts personnels qui primaient sur l'intérêt collectif, et que autant des sociétés civiles, partis politiques à réunir, ou qu'à passer 1 mois, 2 mois, ou pas jamais arriver sur un temps. Moi connais ça, moi fais expérience ça en plusieurs fois, parce que moi-même personnellement, et tout le monde garde ça dans l'opposition. Moi connais tout le monde pour nous chita. Pour nous faire un minimum consensus, il était le plus souvent extrêmement difficile. Et moi, quoi que je dis, tout le temps que nous avons perdu, c'est permettre que le PHTK consolide. Et c'est pour cela que nous avons présenté une solution d'après l'esprit de la loi, mais nous te connaissons, ce n'est pas la solution idéale. La solution idéale, c'est qu'il fait, c'est qu'il y a une invitation que nous tous chita et nous dit pour Haïti, on nous fait ça. Et nous avons bravo. Et je suis prêt à le faire. Même si moi-même, moi, dans le signé, on protocole d'après l'esprit de la loi, moi, je pense que ça, c'est la meilleure et que si la fête, m'a dit justement, monde qui dessine à même. Mes amis, nous te prenons ça parce que nous pensons qu'il ne fallait pas perdre le temps. Nous pensons que le pays a pas carité comme ça sans dirigeant. Cependant, s'il y a une proposition où tout le monde, les forces vives, acceptent de s'asseoir pour rejoindre une proposition concertée, c'est-à-dire acceptable par tous, moi, à inviter même monde qui dessine à dit, on fait sacrifice pour aller la donne parce que c'est ça que la nation est d'accord. Mais je connais Haïti et que ce soit au Mariotte, que ce soit. Et moi, j'ai dit à Delma 75, que ce soit dans le 5 juin, malheureusement, en 3 fois, il y a pile parti qui a commencé avec nous, et l'un de moi, c'est à quoi il n'y a pas là, soit pour des intérêts personnels, soit pour d'autres mesquins, soit pour leur idéologie, il n'y a pas accepté de mettre ensemble pour la nation. Et moi, je pense que n'importe qui gouvernement qui va venir là, il doit justement retourner aux valeurs fondamentales de la nation pour que nous comprenions que nous sommes obligés d'entendre nos pays, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui n'ont pas l'école, il y a des gens qui ne sont pas en sécurité, il y a des gens qui sont obligés de traverser les frontières, obligés à Chili, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de comportement approprié. Et tout ceci, les premiers responsables, ce sont les politiques. Et dans ce sens, ça m'a évité d'être jusqu'à ce que nous parlions là. S'il y a une solution globale, Yuri l'a entendu, le sénateur l'a entendu. Le premier à s'adjoindre, parce que nous croyons que le protocole d'attente que nous joignons n'est pas la solution totale. Ça a été une solution pour éviter au pays d'entrer ou de sombrer dans le camp. Non, bah, on c'est compliqué, sénateur. Il y a un ami qui m'a demandé, mais est-ce qu'Ariel Henry a gagné des charges comme pour avoir été ministre? Bon, en tout cas, ou comme ça? Bon, des charges que je vous donne, nous allons reconnaître. Parce que des charges, je ne vais pas reconnaître. Eh bien, est-ce qu'on va reconnaître Ariel Henry, là, le canard, oui? Hein? Eh bien, ce que nous avons dit, c'est que lorsqu'il y aura une solution concernée, nous obligés d'entrer dans une situation. C'est parce que nous avons une situation d'après l'esprit de la loi.
Si c'est l'esprit de la loi, même si nous pas d'accord à décret, il est en vigueur. Mais si c'est une solution concertée, nous avons passé en dehors de toute loi ça yo, et là ça nous avons une situation côté que nous avons choisi des mondes qui de bonne crédibilité ou honnêteté et qui assurer transition sans que nous ne pouvons répondre des questions de choix et autres. Et c'est peut-être ça nous dit, moi-même et Teriel, nous avons responsabilité que le pays ça, le Jovenel, il finit mourir, le Cétic l'autre qui vivait là, alors qu'il n'y a pas de gagné, il a été révoqué déjà comme premier ministre. Là que le premier ministre nommé a pas de gagné, ou de mon pays à la dérive. Et que moi je crois que il non, fallait nous faire tout. Oui, mais sénateur, faut, parce que pas oublier que moi-même, dans l'émission ça, pour monde qui suit, je vais vous rappeler ça. C'est vrai que il y a des critiques qui portent contre ou même contre Lambert, contre Moïse Jean-Charles, contre nos paquettes. Mais tout le monde reconnaît que nous c'est des éléments importants dans la classe politique là en Haïti. Alors, pas à parler de politique haïtienne pour ignorer Joseph Lambert, Yuri La Tortue, Jean-Charles Moïse, etc. Maintenant, on garde, sénateur. Est-ce que là, nous sommes capables de confondre vitesse avec précipitation? Puisque nous sommes en crise, c'est vrai que nous combattons. C'est comme si nous avons couru pour la pli et puis nous avons tombé dans la grande rivière. Parce que ça crive. Si nous parlons Claude Joseph, d'ailleurs, c'est pas nous parce que monsieur illégal, c'est vrai. Mais pour qui ça nous oblige à précipiter pour nous paraître à Ron Lambert, que nous garantir la majorité de la population au pape d'accord avec Lambert là? Parce que qui dit Lambert? Pas lui, Lambert est candidat sur VHTK de toute façon. Ça dit Lambert, pape Jean, comme si abandonné au nec de Michel Martelly. Ça dit avec Lambert là, ça fait Petro Caribe capable de tout enterrer. Et pas oublier Lambert te voyer dossier Petro Caribe dans coup des comptes c'est pour te enterrer même. Ça dire que le coup nous cherchons solution apparemment cosmétique et puis nous dit n'a gain temps pour une solution. N'est-ce si tellement même pouvoir sénateur. On doit mettre là pour 2-3 ans filer là le président Red dans figu nous là. Et puis tête calé tourner pirette sous nous. Nous fait carré prendre la rue. Vous voulez pas aller faut aller. La situation que nous vivons là, Vous entendez? Oui, moi là. Et pas mon capteur de l'eau là, pendant qu'on parle, on continue à monter en bas là. Communication, vraiment, pas de problème là, sénateur. Où là? Allô? Non, communication, pas de problème, sérieusement. J'y sais, pas de problème. Sénateur. Pendant un bon parti, ça, sénateur, appelle là mal passé. Sénateur, où là? Non. Sénateur, appel là vraiment mal passé. Semblait bon, mais c'est réel encore. Mais nous avons une heure là, sénateur. Pendant que je parle, bon parti ça, sénateur. Alors, il m'a dit problème, vint tout le monde.